pourrait 30 minutes, un petit peu plus, mais j'aime mieux dire moins que plus. Ça va. Donc là, je déplume de sueur, je vais me laver et je vais réveiller les enfants. Coucou! Alors là, du coup, on est dans le taxi. Je sais pas si vous allez m'entendre. Les autres blogueurs aujourd'hui faisaient la réserve Crocovani, mais nous, du coup, on l'a fait hier. Donc, voilà, voilou, on n'allait pas la refaire ce matin et se faire dévorer par les moustiques. Donc là, nous, ça nous a permis de profiter de l'hôtel. Moi, j'ai tourné une vidéo. Ma maman, elle a été à la mer. Liana, elle était au jeu des enfants. Nathalie a pu faire une sieste complète sans être réveillée. Et donc là, on a le taxi et on part donc à Bois-Chéry. Alors, c'est assez rigolo puisqu'aujourd'hui, on va faire, enfin, ce matin, une bonne partie de la journée, disons, tout ce que j'ai fait avec Thibaut quand on est venu. On était à Belle-Ombre aussi et en fait on avait visité pas mal de choses. Et ce qu'on a visité, bah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, alors Crocovani on l'avait pas fait parce que comme je vous disais, nous on n'est pas hyper fan de tout ce qui est animaux en captivité. À part quand c'est vraiment pour des raisons particulières comme les soins, hein, les safaris, où c'est vraiment l'habitat naturel de l'animal est plus ou moins assez bien reproduit et il y a un but associatif derrière. Mais bref, on y a été, ça faisait partie du programme et voilà, c'est un moment pour aussi voilà, on y a été, bref. Et donc du coup nous on l'avait pas fait avec Tib, mais en tout cas c'était très très bien, hein, y a pas de souci. Liana elle était très heureuse de voir les tortues, mais je lui ai expliqué que on parlera plus tard si besoin est. En tout cas là avec Thibaut on avait fait donc la visite de Bois-Chéry, donc en fait c'est le thé mauricien. Donc on avait fait cette visite, ensuite on avait été au grand bassin, c'est là où il y a plein de statues qui sont les dieux en fait de la religion hindouiste. Et ensuite on avait été à Chamarelle, donc c'est les collines aux sept couleurs. Et là on va faire tout ça et en plus on va faire donc la romerie de Chamarelle. Donc c'est super chouette, comme ça maman va pouvoir découvrir tout ce qu'on avait vu à Maurice. Donc je suis contente parce que c'est cool de l'emmener avec moi à l'hôtel etc. Mais moi j'aime bien lui montrer bah, les choses qui sont de l'île, tout ça. Ça fait déjà 2 minutes 30 que je parle, je vais peut-être me taire. Et ensuite on va à l'hôtel, on était censé ressortir à... En fait on était censé arriver à l'hôtel, repartir 30 minutes après pour aller à Flic en Flac pour voir le coucher du soleil. Mais apparemment à Flic en Flac il ferait pas très très beau, donc il n'y aurait pas forcément de coucher de soleil. Donc ils vont nous faire le coucher de soleil pour nous à l'hôtel directement. Et ceux qui n'ont pas d'enfants etc. partiront à Flic en Flac. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, il y a la route. On resterait sur Flic en Flac qu'une demi-heure et après on rentre. Parce que vraiment c'est nécessaire pour des enfants. Non. Donc voilà, ce serait pour la journée. Ça m'aurait vraiment fait plaisir de visiter Flic en Flac parce que je ne l'ai jamais vu. Mais on reviendra. Donc là, direction Bois-Chéry. On a Beauté des îles numéro 1 qui fait dodo. Beauté des îles numéro 2 qui mange parce que apparemment le petit déj ne lui a pas suffi. Beauté des îles numéro 3 qui est devant avec Monsieur le taxi. Et Tête de Pignouf est derrière. Grand Bassin, en fait ma mère s'est arrêtée tout à l'heure à Grand Bassin avec Liana. Je suis pas descendue parce que je connaissais et on n'a pas beaucoup de temps en fait. On a pris beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses. Donc là on se dépêche. Alors on est à la cascade de Chamarelle. Je me rappelle encore de la photo que j'ai fait avec Thibaut ici.
Tu as vu la cascade? Regarde l'eau qui tombe. Ça s'appelle une cascade, mon ange. Je crois que Liana est très fatiguée. Oh mon trésor. On est rentré et regardez ce qu'ils ont fait dans notre chambre. C'est trop beau, c'est trop chouette. C'est ça qu'ils aiment pas. Oh, oui. Et bienvenue dans une nouvelle journée. Liana, elle a un petit peu de poisson fumé, des petites choses là, des crêpes avec du sirop d'érable, gâteau sans gluten. Moi j'ai une omelette, mais Liana est en train de la manger avec moi. Des fruits, ils sont trop trop bons les fruits ici. Et du muesli. Et voilà, aujourd'hui il fait beau. On est donc là, on s'est positionné ici. Et maman et Liana sont là-bas. Et moi je suis avec Bébou. Liana est là-bas avec des copines. C'est des personnes qui étaient avec nous dans l'avion, on les a retrouvées seulement maintenant. Liana elle a du poisson avec des légumes et des frites. Maman elle a un carpaccio. Et moi du bonite mi-cuit. Voilà. Bon du coup ça se recouvre un petit peu. Je vais un peu aller à la piscine. Je vais voir comment ça se passe avec Nathaël. S'il se rendort, je vais laisser les enfants à maman, je vais aller faire du sport un petit peu. Je pense que je vais saccader la journée pour que je parte pas trop longtemps, je pense, je vais voir. S'il se rendort pas, je reste jusqu'à temps que Méliana, elle m'a dit non maman, je dors pas maintenant, je vais aller jouer avec les copines. Je lui ai dit attends, je parle avec... Oh, je me cadre pas. Je lui ai dit attends, je parle avec Tati Manon. Je savais très bien qu'en faisant ça, en fait, j'étais en train de faire des audios avec Tati Manon. Donc pas non. Et je savais qu'en ne lui parlant pas, elle allait s'endormir en fait. Donc du coup ça a marché direct. Maman tu peux le faire, il peut vriller là. Comment? Ah oui quand même, je le sais. Le merveilleux cadre, les enfants sont en train de se réveiller, du coup j'ai fait livrer, c'est compris hein, c'est juste que comme c'est un 5 étoiles, ils nous livrent voilà, des choses merveilleuses. Comme ça, voilà. Et on va goûter avec ce plan qui est trop beau. C'est ça le fait d'être dans un 5 étoiles, c'est qu'on peut manger en all inclusive. Enfin, c'est pas all inclusive, c'est pension complète. C'est que on peut manger tout le temps, comme un hôtel avec moins d'étoiles, mais c'est très qualitatif quoi, vraiment. Donc voilà. Bon j'ai commencé à faire du sport et en fait Nathalie s'est mis à pleurer, il s'est réveillé, il avait la couche pleine. Et donc ma mère m'a dit vite viens. Donc en fait je lui ai donné à manger et là je l'ai changé. On a fait quelques photos avec le coucher du soleil, maman est derrière avec Nathael. Et là il y a un cocktail, c'est le cocktail mauricien. Donc je vais vous filmer ça, c'est le cocktail à l'hôtel en fait. Mais certains jours et tout, j'ai peur que vous m'entendiez pas, c'est débile. Bienvenue dans une dernière journée avec nous
à l'île Maurice. Là, on va aller déjeuner. Je vous reprends dans 2 secondes parce que la poussette, c'est pas easy easy avec la poussette de passer là. Donc, je vous reprends dans 3 secondes 30. Bon, on se retrouve au petit déj, c'est plus simple. On a pris encore plein de fruits, on adore ça. Je goûte une crêpe salée et toujours mon petit muesli là. Et Babou qui fait dodo. Je prends un latte et en fait je prends ça et dedans je mets une tisane d'allaitement et comme ça je suis bien contente. Hein, gros bédou. On a les deux zouaves ici et on a Zouavou ici. Un Zouavou. C'est parti, on est au resto. Ouais, tu vas avoir des petits champignons. Donc on est à la plage, on préfère manger là. Il y a le snack bar, mais c'est sensiblement les mêmes plats. Mais voilà, on préfère parce qu'il y a quand même plus de choix. Et donc là, pour ce dernier déjeuner, je vais prendre le carpaccio de bœuf et je vais prendre la pêche du jour. Voilà. J'hésite avec le poulet de curry parce qu'il est vraiment super bon et les crevettes. Mais je pense que je vais prendre la pêche du jour. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Attends, ils sont là, mon chéri. Allez là, tiens, voilà ma reine. Ça c'est un serviette. On aime ce que tu fais ensemble. C'est très gentil. Il se réveille, Babou. Merci beaucoup. Ça va, maman. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Nathalie, il a fait dodo. Nathalie, il a fait dodo. Et toi, tu as joué avec ton copain? C'est le dernier, hein, Liana. Finito après. Hein. Allez, mange. On est avec les copains du voyage. Et c'est l'anniversaire de Thomas aujourd'hui. C'est trop sympa. Ouais, et ils lui ont fait un gâteau. Ouais, c'est trop cool. On a pas pris le sundae pour maman. Et ouais, ça, c'est le gâteau des garçons. Il met des bon, bon, bon. Elle ne veut pas. Le dernier goûter. Avec cette vue imprenable. On est dans l'avion, j'ai une tête de fou, je vous parlerai juste après. Maman, elle garde Nathalie, celle qui l'a endormie et je veux pas le réveiller. D'être contente d'avoir ma tête comme ça, j'ai peur que vous m'entendiez pas. Donc ce que je disais, c'est que là on est sur Air Mauritius, j'essaierai de vous filmer rapidement. Mais je pense plutôt quand on sera à... quand l'avion sera vide, enfin j'en sais rien, bref, j'essaierai de vous filmer ça. Et franchement, c'est trop chouette, pas maintenant, on va décoller. En fait, franchement, c'est trop trop chouette parce qu'il y a grave de la place. Là, je vais vous montrer. Ouais, vraiment, on a de la place. Vous voyez, en fait, là, on a plein de place. On est tous les trois. On est ici. Là, il y a juste à côté, donc ça va être cool. Moi, je vais l'aider. Enfin, franchement, c'est trop bien là. Qui l'a endormi et voilà. Maintenant à nous de faire dodo.